Amis de Météor le Mag, bonjour à toutes et à tous. Je suis ce soir à Tel Aviv, en plein cœur de Yafo, et je suis accueilli dans la maison de l'ambassade de France. Oui, c'est pas une blague, je suis chez l'ambassadeur de France dans son domicile. Pourquoi ? Parce que vous connaissez très certainement la marque d'habits pour enfants en France qui s'appelle Katimini. Et bien cette marque s'est installée ici en Israël et ils organisent un défilé avec les enfants qui vont bien montrer le meilleur d'eux-mêmes et surtout le meilleur de la marque pour montrer surtout le savoir-faire français. La marque s'est installée ici donc à Tel Aviv. Le premier magasin ouvre ses portes à Tel Aviv et on va aller voir un petit peu ce qu'ils vont nous présenter. Je crois qu'il y a de belles choses. C'est parti. Donc là, nous rentrons dans les coulisses. Comment tu t'appelles toi ? Sarah. Sarah, c'est la première fois que tu défiles ? Oui. C'est vrai ? Et c'est la première fois que tu défiles pour Katimini, t'es contente ? Ouais, très contente. Est-ce que Katimini fait des beaux habits ? Très. Tu t'appelles comment ? Jérémy. Jérémy, Jérémy, il a l'air tout timide. Ça va, c'est la première fois que tu fais un défilé de mode ? Oui. T'as répété la chorégraphie ? Oui. Tu sais comment tu vas danser ? Comment tu vas marcher ? Non. Alors, quel est votre rôle à vous ? Moi, je suis maquilleuse, j'arrange les cheveux, je mets des petites plumes. Et là, je suis en très très bonne compagnie. Alors, elle, vous la connaissez, c'est mon amie Léa Tov. Comment ça va, Léa ? Ça va, tu vas bien ? Et nous sommes avec Ilanit. Bonsoir, Erev Tov. Erev Tov. Ma chomère. C'est le gamin. Alors, Ilanit, on peut le dire, c'est la femme de Eyal Golan. L'ex-femme de Eyal Golan. Ah, ça, c'était avant. Alors, son fils va défiler, c'est ça ? Son fils et sa fille vont défiler, donc, pour Katimini. Mais je t'ai bien voulu acheter, mais ça ne réveille pas. Et Serge, je ne mettrai pas. Hachem, c'est là ? Aline, c'est Tarfatil, c'est le Israéli. Ah, j'ai beaucoup crié. Ouais, d'accord. Beata. Yam. Et Ophé. Todaraba. Et alors là, les amis, je suis avec une comédienne de la télé israélienne. Elle est très connue ici pour avoir animé des émissions pour enfants. Michal Nemerod Yanaï. C'est pas évident. Alors Léa, tu vas faire ma traductrice. Hein. Ce soir, je t'ai choisi, tu es ma traductrice. Traductrice à la roue là, alors. Hein. Alors, c'est pas Mrishona, te roi Katimini, quand Abgadim, chez Katimini. Pas Mrishona. Katimini, et Mekira. Non, en fait, je suis pas Mrishona, et Karti, Yershav, j'étais קצת באתר, ויש דברים מגניבים. מאוד יפים, כל האקססוריז והצבעים, וממש יפה. יש לך ילדים אולי? כן, הילדה שלי פה בצוגה. Ah, elle a des enfants qui ont même vont défiler tout à l'heure pour la marque Katimini. Bon bah, c'est magique. I'm delighted to welcome you. And so, I'm very happy with the opening of the boutique Katimini here in Tel Aviv. Et alors là, je suis en compagnie de l'ambassadeur de France ici en Israël, Patrick Maisonneuve. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc en fait, ici, on est carrément chez vous, c'est votre domicile ? Oui, c'est ça, c'est mon domicile, exactement. C'est une maison qui, comme vous le voyez, sert à plusieurs types d'événements. Et ce soir, en effet, nous mettons cette maison à la disposition d'un partenaire israélien, d'un partenaire français autour de la marque Katimini, qui est une marque de vêtements pour enfants. Et nous avons vu le défilé ensemble, j'imagine, et vous avez vu, c'est beaucoup de créativité, c'est beaucoup de couleurs, en tout cas c'est très très joli. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie pour votre accueil, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Rebecca, viens ici Rebecca, comment ça s'est passé ? Très bien, je suis fatiguée, très bien. Elle est morte. Bon Rebecca, je vous présente Rebecca Albo, c'est elle l'organisatrice de ce défilé. C'est toi Rebecca qui a ouvert le magasin, le premier magasin Katimini ici à Tel Aviv. Comment ça s'est passé cette ouverture de magasin ? C'est toi qui as décidé d'ouvrir un magasin Katimini ? Ouais, j'ai la licence pour tout le pays, exclusive. Et on a ouvert donc la première boutique à Kikar Amdina. On a une boutique en ligne et à partir du mois de septembre, on a une troisième boutique à Gindi Tel Aviv. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il y aura d'autres boutiques Katimini en Israël ? Ouais, oui. Ce sera toute prochaine. Bravo.
Bravo, bravo. Et ça va, tu es satisfait du défilé de ce soir? On a vu des belles choses. Oui, ouais. Au moins, ça marchait pendant le défilé, ça marchait pas comme pendant les répétitions. Mais c'est l'essentiel. En tout cas, je te le souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de chance avec cette marque Katimini et longue vie. Voilà, Beatslacha.